Par le biais d'une publication sur le réseau social Instagram, Sonia Roland a formellement annoncé son intention de contracter mariage avec son compagnon, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Dans cette déclaration succincte mais significative, elle a partagé sa réponse affirmative à la proposition de son partenaire, accompagnant ses mots d'une image mettant en valeur sa bague de fiançailles, agrémentée d'une pierre bleue. À l'âge de 43 ans, cette personnalité, qui a été couronnée Miss France en 2000 et qui a depuis fait carrière en tant qu'actrice, notamment dans la série « Tropique criminel » diffusée sur France 3, s'apprête donc à unir son destin à celui de son compagnon, avec qui elle partage sa vie depuis l'année 2021. Sonia Roland avait donné quelques indices sur l'identité de son compagnon. Elle avait notamment révélé qu'il œuvre en tant que directeur artistique dans le domaine de la publicité, précisant également qu'il est légèrement plus âgé qu'elle. De plus, elle avait exprimé son désir de le protéger de l'attention médiatique. Lors d'une intervention sur RFM, elle avait partagé une anecdote touchante, révélant que leur relation remonte à leur jeunesse. Elle avait déclaré « Je suis éprise d'un homme que j'aimais il y a 20 ans. Nous sommes restés proches depuis toutes ces années, mais à l'époque, nous étions trop jeunes et n'avions pas envisagé de construire notre avenir ensemble. » Avant sa relation actuelle, Sonia Roland a été associée à Christophe Rocancourt, surnommé le « l'escroc des stars », avec qui elle a eu une fille prénommée Tess en 2007. Rocancourt a été condamné pour avoir escroqué plusieurs personnalités en leur extorquant de l'argent. Par la suite, elle a été en couple avec l'acteur Jalil Lesper, avec qui elle a accueilli une fille nommée Kaina en 2010.